Du soir au matin, des camions chargés de terre défilent dans le village de Saint-Eustache, tout près des habitations. Ce matin, on en a compté, je crois, 19 en 20 minutes, aller et monter. Et c'est tous les jours comme ça dans le village. Une situation alarmante aux yeux de cet habitant. La route étroite empruntée par les engins de chantier a été fortement endommagée par les intempéries du mois dernier. Vu l'état de la route, si on met 4000 camions là-dessus, ça ne va pas l'arranger. C'est une route importante pour tout le village, pour les gens qui viennent de l'Échaud travailler tous les matins, les bus scolaires, etc. Moi, je trouve qu'on prend des risques complètement inconsidérés. La terre transportée provient d'un chantier immobilier quelques kilomètres plus bas. La construction de 130 logements exige de déblayer 20 000 mètres cubes de matériaux. Le transport est ensuite rigoureusement contrôlé, nous dit-on. On a, nous, fait des dossiers, on a fait des demandes administratives, des demandes par rapport aux propriétaires des terrains. Ici, la mairie de Saint-Joriot, par exemple, on a fait un état des lieux de la route, on a fait passer un huissier. Malgré tout, les professionnels du terrassement font très souvent l'objet de plaintes. Chargés de récupérer une partie des 20 000 mètres cubes, ce chef d'entreprise, comme beaucoup d'autres, souhaiterait que les collectivités locales, chargées de délivrer les permis de construire, s'emparent du problème. Il faut prendre conscience que les terres de terrassement doivent aller à quelque part. Et ça fait 20 ans que je me bagarre. J'ai fait partie de la Fédération régionale des travaux publics dans le cadre de ces aménagements-là. Et ça fait 20 ans qu'on en discute et on ne trouve pas de solution idéale pour régler ce problème. En Haute-Savoie, 2 à 3 000 logements sortent de terre chaque année. Faute de solution pour stocker ces remblais, certaines entreprises sont contraintes de renoncer aux appels d'offres.